trip. It's the international event of Petzl, and we have professional teams from all over the world who work in rope access normally. And we have, I think, from almost 20 different nations in the world, 40 teams. Buenos días. Bon dia. Hello. Bonjour. Salut. Cześć. Parfait. Bonjour. Salam alaikum. Apa kabar? Guten Tag. Привет. Dobar dan. Hola. Azul filawal. It's a way to get all these rope access technicians which share the same challenge to access, let's say, access the inaccessible, which we say at Petzl, to get their goal, which is to do their job. On contrôle tous les EPI des concurrents pour voir s'ils sont bien en état de marche, s'ils sont pas trop usés et s'ils sont bien conformes. La sécurité pour nous, c'est la primeur et il ne faut vraiment pas qu'on s'en passe. I'm okay. On a donc quatre épreuves, hein. c'est une compétition par équipe, donc c'est des équipes de trois, une épreuve par équipe et trois épreuves individuelles. L'esprit d'équipe et puis l'organisation dans l'équipe est importante et il y a aussi des notions un peu de stratégie. El Pels Rope Trip, a mí me gusta mucho que unimos al equipo, porque no hay pruebas individuales, pero al final el equipo tiene que ser muy completo y dentro del trabajo vertical es muy importante que vayamos todos juntos y coordinados. On a une deuxième épreuve, c'est une épreuve de précision. Il n'y a pas de chronomètre, donc il y a un temps maximum pour réaliser l'épreuve, mais ce n'est pas le chronomètre qui va faire le classement. C'est une épreuve que le cordiste réalise avec un seau d'eau. Et donc il doit passer à l'intérieur d'un silo, enfin même de deux silos, il doit monter le long d'une éolienne. Il a tout un parcours sur corde à réaliser avec des agrès, des difficultés et il doit le faire avec un maximum de précision possible pour perdre donc, le moins d'eau possible. Avec des passages donc, dans les silos, en milieu confiné, comme des ambiances qu'on retrouve sur des chantiers en milieu industriel. We travel here to looking something new. Yeah, what is new technique, new possibility to working safely and good fun. La troisième épreuve, donc c'est une épreuve chronométrée avec un parcours à réaliser. Au milieu du parcours, au sommet du bâtiment, il a une petite manœuvre électrique à réaliser. Et puis en descendant, il a l'épreuve de la fresque avec des morceaux d'un puzzle géant à reconstituer à l'aide de matériel. Donc il a une visseuse, des vis, et donc ces fameux morceaux de puzzle. On n'a
participé au championnat suisse qui s'est déroulé à Zurich. On est arrivé premier au championnat suisse à Zurich et ça nous a qualifié par Petzl Suisse, en fait, nous a invité à venir participer à cet événement, de venir en Suède. Eh ben là, ça change un petit peu quand même. On voit qu'il y a un autre niveau. C'est difficile. Une épreuve qui démarre par une ascension en escalade artificielle. Hein, donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur des chantiers lorsqu'il n'y a pas d'accès par le haut. Après, le cordiste retrouve des cordes qui lui permettent d'accéder à un pylône, les pylônes qu'on retrouve pour les antennes des téléphones. Et donc, il a une antenne justement à décrocher d'un côté du pylône pour aller la raccrocher de l'autre côté du pylône. Donc là, il doit utiliser de l'outillage comme sur un chantier pour réaliser sa manœuvre. Alors le challenge, c'est le Petzl Climb Up Chrono. En fait, c'est une montée sèche sur 10 mètres avec une conversion et une descente chronométrée. Le but, c'est d'aller le plus vite possible avec les techniques qui sont leur choix, mais qui doivent rester dans les règles des travaux en hauteur et celles des notices techniques. On essaye de faire une compétition de référence qui va pouvoir être transférée et appliquée dans le monde entier, tournée sur tout l'événement. Donc à chaque fois, la mesure est faite au laser et c'est pour pouvoir voir si demain, on arrive à faire évoluer la rapidité par les techniques, par les produits et arriver à accélérer et toujours aller plus vite en restant tout de même en sécurité. Although we are in rope access, but we are exposed in different areas. Like I say, we are in marine. So yeah, we are also not only competing, but we want to see how others do, you know, and probably learn from each other as well and do as much sharing as we can. Ça nous apporte déjà de rencontrer un peu le milieu, autre que les entreprises françaises. Rencontrer un peu le staff du milieu, de tout ce qui est Petzl, fabrication du matériel. Dans la ville, sur un bâtiment de Uppsala qui est reconnaissable, c'est le château d'Uppsala. Les deux finalistes s'affrontent sur des épreuves là de secours sur corde, puisque les cordistes doivent être capables de se secourir entre eux-mêmes. Donc là, on a trois secours à réaliser par chaque équipe. La première équipe qui décroche ses trois victimes, les trois doivent remonter en haut de la tour du château. La première équipe qui a ses trois cordistes en haut qui a gagné. Adventure on the castle. There's many guys here. Yes, I know. Yeah, I was surprised. And it's nice that you're using the castle for other things like this.
friends. Очень счастливы, потому что мы ехали сюда, ну, мягко говоря, не рассчитывали на первое место. Ну, ехали на шару. Поучаствовать. Поучаствовать. И не самые были плохие, как выяснилось. Мы очень счастливы. Будем рады, если нас примут в будущем году.